en deux quoi les amours de Dosaï. Les amours de Doxy Shampoo, pour comment allez-vous? Aïe, ça, c'est fatigué. Hein? I'm tired. Couchez au calme à la Maison Blanche. Comment ils vont, mes coucous? Qui dit, je vais te marier. Toi, Abouaka, hein? C'est aussi facile que ça. Je t'aime, ma Sakari Diabakari. I love you too. Je t'aime aussi, chérie. Mes bébés. African Queen. Yeah, yeah. Et donc, si. Bon, attends, cousin, Etienne José, tu es devenu sorcier ou quoi? Tu me vois ici en direct et puis tu m'appelles, mais c'est pas normal. Cousin, je n'aime pas ça, hein. Je suis en direct et tu m'appelles, c'est pour couper ma vidéo. J'aime pas ça. Ouais. J'ai dit, oh. Tata, I love you so much. I love you too. La plus influente, tu as le big up de ton king. Où fait le king? Big up à toi aussi. Quel est ton secret de beauté? Marlise Oriane Moupio. La paix du cœur d'abord. Ça, c'est un grand secret de beauté. La paix du cœur. J'évite de me mettre en colère. J'évite de m'emporter. C'est d'abord ça. Et je dors beaucoup. Je dors beaucoup. Merci. J'aime ton style. Merci. Que c'est ricanté. Thank you. Bref. Je dois aller au Ghana pour apprendre l'anglais. On a un bon moment. Au Calagobo Braba depuis Paris. Big up à Disco Kone depuis Paris. Money à Londres. Mes lèvres, on fait quoi? Qui fait mes lèvres. Merci mes amours. Mes bébés. On dit quoi? Tu n'as pas combattu par hasard? Quelle est ta posture idéale pour te reposer? Suleiman Nakuma. Et actuellement, je suis couché sur mon dos. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je suis couché sur mon dos. Au calme. Je dors comme tout le monde, dans toutes les positions. Oui, je vais aller au Ghana pour apprendre l'anglais. Par rapport à mes projets de films pour Nollywood. Il y a un grand acteur de Nollywood, une grande star, je vais taire son nom, qui m'a contacté, qui m'a dit de bien apprendre mon anglais par rapport à des projets de films pour Nollywood. Donc, je vais voir si je peux aller faire un mois au Ghana. Je vais me renseigner aussi pour une école bien structurée, pour voir si en un mois je peux
bien parler couramment l'anglais. L'anglais n'est pas si difficile. Hein. Tu es chez qui encore? Car la plupart du temps, tu n'es pas chez toi. Je suis chez moi. Je suis chez moi actuellement. C'est la Maison Blanche. C'est chez moi ici. La Maison Blanche. Je suis chez moi dans mon lit au calme. Je vais manger tout à l'heure mon poisson braisé, ma soupe. J'aurais appris sur les réseaux sociaux que tu cherchais un homme et que tu avais l'envie de te marier. Je ne cherche pas un homme et je n'ai pas de problème d'homme. Je n'ai pas de problème d'homme, donc je ne cherche pas un homme. Toi, tu as trop jolie bouche de MC Tanguy. Merci, Coco. Merci, Paul Pogba. Thank you. Qui dit boule de graisse. Dis-moi, tu m'aimes ou pas? Mais comment je peux t'aimer si je ne te connais pas? On ne sait jamais. Peut-être que c'est là-bas que finalement, le monde entier qui raille dans ses vagues. Arrête ma reine, sinon tu vas tuer les mecs ivoiriens. Hein? Répondre, ça me fait plaisir. Aïs de Paris-Touré. Ton mari aura chaud. T'es trop en forme. Il mourra pour toi. Mais dommage pour lui s'il n'a pas de Jay. Florent Lemens. Ouais. Moi, je t'écris tout le temps, tu n'as jamais lu mon message. Prends le temps de lire mon message. C'est Ndou Kamagaté. Ahmed Kafich, je suis algérien. Bisous à toi. Oh, bisous, Karidja Bakari. Abdoula Gira. Ah, bloquito! Non, je mangeais poisson. Poisson braisé. Avec une soupe de poisson, j'ai pris deux poissons. Et un braisé et un soupe. Ah, tout le monde dit que j'ai une belle bouche. C'est vrai ça? Merci. Ah, il y a quelqu'un que j'aime trop tes lèvres. Tu as dessiné avec un crayon. Un crayon marron MAC. On dit là, vous avez su mes lèvres. De... Quelle est la partie de ton corps qui te plaît le plus? La partie de mon corps qui me plaît. Vraiment, mais je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. I don't know, je ne sais pas. La partie de mon corps qui me plaît, je ne vois pas. I will say good night, my sweet flower, and I hope you are well. Michelle Weiner, thank you so much. Good night too. My English is so bad, very, 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 very bad. Bad. I don't speak English very well. Michael Weiner. Il y a une autre personne aussi qui m'écrit en anglais. Valentine C. Chimezaï. To be a true oversized mode, you need to speak English. Yes, I want to speak English very well. Valentine Chimezaï. Pour apprendre l'anglais, on n'a plus besoin d'aller au Ghana. Non, ici, il y a des gens qui apprennent l'anglais, mais je suis entourée des gens qui ne parlent que le français. Pour que ce soit plus rapide, c'est mieux que ce soit au Ghana et entourée des gens qui parlent anglais. Quand je vais au Ghana, quand j'arrive à Abidjan, là, je commence à parler que l'anglais. Ça veut dire, j'assimile facilement.
Donc, je pense que si je vais là-bas pendant un mois pour apprendre l'anglais, je pense que je vais parler couramment l'anglais. C'est pour ça que je veux partir. Sinon, si je reste ici, là, c'est pour parler français, les gens ici. 2 jours, je parle anglais, puis après, je vais oublier toutes mes notions de l'anglais. Donc, c'est mieux d'aller au Ghana et puis apprendre. Je préfère le Ghana. Bon. C'était un petit coucou. Moi, j'ai tellement faim. La faim est remédiale. Hein. La faim veut me tuer, la faim veut me tuer. La faim veut me tuer, la faim veut me tuer. Attendez. Bon, comme je disais, j'étais à la maison blanche. Là, c'est dans ma salle de bain. Comment je vais mettre le téléphone? Voilà. J'ai porté mon gros boubou. Hein. Bon. Mes amours, mes langues, je vais vous laisser. Hein. Moi, j'ai trop la dalle. On va au Ghana ensemble. J'ai déjà fait un passage là-bas. Ça peut être bien pour toi. Pourquoi on va aller ensemble? Moi, je vais apprendre mon anglais. Toi, tu veux qu'on y aille ensemble. Faut montrer vos bras là. Vos bras, elle est cachée dans mon bout. Bobo, elle est cachée dans Bobo aujourd'hui. J'ai caché le Bobo là. Le Bobo est caché. Yo, looking just perfect. Les anglophones sont déchaînés aujourd'hui, venus commenter. Là, Bon, tu n'as pas bien écrit, tu as mis -1 de tes iPhones. Genre, tu veux un de mes iPhones. J'ai un 4e numéro. Bientôt un 5e numéro pour mon nouveau téléphone offert. Techno. Voilà. Donc, tu n'aimes plus ton pays, quoi? C'est grâce à la Côte d'Ivoire, on te connaît partout. Hein? Donc, aujourd'hui, tu arrives à dire que tu parles plus le français. C'est bien, non? Non, mais l'anglais ouvre des portes. Tu comprends, non? Apprendre et parler l'anglais couramment ouvre des portes. Je ne dois pas parler que le français. Il faut que je parle quand même l'anglais. La majorité des pays où je vais sont des pays anglophones aussi. Hein. L'anglais, là, c'est vraiment important. Donc, vous comprenez, c'est vraiment important. I am fan, pendant que ça tient, I am fan. Faut aller à l'église un peu. Je vais à l'église le dimanche, de temps en temps. Je dis pas tous les dimanches, mais de temps en temps. Ou bien quand je suis à l'église, tu veux que je mette le direct pour te prouver que je suis à l'église? Ah, je vais pas donner maintenant, je vais manger. Ah, moi j'ai faim. J'ai mal à l'estomac en ce moment. Bon, c'était mon petit coucou. Je vous aime gros comme ça. Bisous. Mouah. La robe au bois va toujours.